Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau magazine sur Télégoël. On vous écoute, une émission qui laisse la parole aux habitants, aux élus, aux associations, aux acteurs de la vie culturelle, bref, aux personnes qui font bouger votre territoire. Dans ce magazine, nous allons interviewer différentes personnalités qui vont vous faire réagir, on l'espère, à ce qu'ils disent. Cette semaine, nous recevons le président, pas le président de la République, mais le président de l'agglomération de Lens-Liévin, M. Sylvain Robert, qui est également maire de Lens. Tout de suite, je rejoins Monsieur Sylvain Robert. Monsieur le Président, bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, vous êtes assez proche des gens. Comment je peux vous appeler? Président, Sylvain, Monsieur Robert? Sylvain, comme tous les jours. Sylvain, oui, comme tous les jours, on ne se voit pas tous les jours. Hein. Mais alors, dites-moi un peu, nous sommes ici dans la salle du Conseil communautaire. Je pense que là, c'est le Saint des Saints, c'est là où se décident beaucoup de décisions de la Lens-Liévin. Est-ce que vous pouvez nous présenter la CAL, ce que c'est que la Lens-Liévin? Alors l'agglo, c'est 50 ans d'histoire, c'est un regroupement de communes au départ qui avait une volonté de, sur certains sujets, de pouvoir passer une échelle supérieure. Et c'est 36 communes aujourd'hui, c'est 96 élus qui se réunissent dans cette salle pour décider aussi bien de projets sur le développement économique, sur l'habitat, sur ce qui se voit moins, sur par exemple l'assainissement, l'eau, le ramassage des ordures ménagères, les transports. Voilà, on a des sujets très variés qui... passer à une échelle intercommunale donne une certaine cohérence à une politique sur les 36 communes qui considèrent que ces sujets-là doivent être traités à l'échelle un peu supérieure, si on peut parler de ce niveau de compétences. Et voilà, c'est un... Comment ça se passe concrètement? Décisions sont prises en amont par les techniciens de la Lens-Liévin et après elles sont présentées aux élus? C'est comme un conseil, municipal en fait. Il y a des dossiers qui sont préparés, des sujets qui font l'objet de réunions de travail, de commissions, de réunions en commission avec la présence d'élus. Certaines décisions sont prises au bureau parce que nécessitant peut-être un rythme un peu plus important, donc avec des réunions de bureau qui regroupent l'ensemble des maires, enfin un élu par commune, principalement les maires. Et puis après, les séances de conseil communautaire plus globales qui, là, décident des sujets, là aussi déterminés au départ dans le cadre de notre organisation, et où il y a 96 élus représentant les 36 communes, donc avec le poids aussi démographique de chaque commune. Et tout est préparé avec une équipe technique de un peu plus de 200 agents, sur des domaines très variés, vraiment dans des domaines même de spécialité très, très pointues, et puis qui permettent de donner là aussi une autre cohérence à des politiques qui ne peuvent pas non plus être menées au niveau communal. Donc on est dans une structure un peu entre le département et la commune, sur des compétences bien déterminées, mais qui montre aussi qu'à une certaine échelle, si on prend par exemple le ramassage des ordures ménagères, on est à ce niveau-là de collecte et d'organisation. On ne peut pas forcément le faire au niveau de la commune. Alors, 50 ans de l'agglo, l'agglo a participé à bon nombre d'événements. Sur le passé, quels ont été les événements marquants de ces 50 ans? Le Louvre-Lens peut-être? Oui, enfin, il y a beaucoup d'événements. C'est déjà l'idée, il y a 50 ans, de pouvoir travailler ensemble sur certains sujets. Au moment où la décentralisation n'était pas encore aussi aboutie, parce que les lois n'étaient pas encore arrivées, loi de 82. Donc de pouvoir dire sur certains sujets, on a envie de travailler ensemble, c'est l'initiative d'élus. On cite toujours les quatre pionniers, entre Jules Tell, Léandre Le Tocard, André Delolis et Henri Darras. Mais voilà, c'est toute une série d'élus qui se sont fédérés à ce moment-là. Et puis au fur et à mesure de l'avancée dans le temps, les compétences ont évolué. On a un passage important en 2000 avec la transformation du district qui avait des compétences plus limitées à une communauté d'agglomération qui, de par la loi, a des compétences notamment en termes de développement économique, de développement touristique aussi, ce qui occasionne par exemple la participation de l'agglo dans le Louvre-Lens. Mais on a d'autres sujets, on est aussi sur le tourisme de mémoire, on a créé un musée à Souchez, on est le premier actionnaire du stade couvert à Liévin. Donc voilà, on est sur des sujets, vous voyez, des sujets structurants, et puis à côté de ça, on a des sujets aussi peut-être plus quotidiens, mais l'agglomération, c'est elle qui gère le crématorium, par exemple, à Vendin-le-Vieil. Donc on est sur des sujets peut-être plus pratiques, terre à terre, mais aussi sur des enjeux pour notre territoire. Donc faut bien le dire que l'agglo Lens-Liévin est présente quand même sur beaucoup de choses du quotidien, oui. des habitants de l'agglo Lens-Liévin, de toutes les 36 communes.
de cet agglo. Alors, est-ce que c'est difficile de trouver parfois un terrain d'entente avec les élus qui sont autour de vous? Parce qu'ils n'ont pas des fois la même couleur politique et ils n'ont pas... Est-ce que vous arrivez à trouver un accord? C'est l'intérêt général qui doit primer. Donc après, sans parler de couleur politique, on est d'abord dans des représentations intercommunales. Donc il faut que chacun abandonne entre guillemets sa casquette communale. Même si voilà, c'est pas la somme des 36 communes qui fait l'interco, mais c'est vraiment le projet qu'on a voulu réaliser. Donc aujourd'hui, ouais, ça se passe de cette façon-là, avec des projets structurants, fondamentaux pour la collectivité, où les communes y retrouvent leur intérêt parce que participant à un projet plus global. C'est dans les discussions, dans les échanges, dans la perspective que l'on veut proposer aussi à l'ensemble des élus, à la population, qu'on arrive à trouver ces terrains d'entente. Perspective d'ailleurs, avec les 50 ans sont passés, maintenant hein, on pense un peu à l'avenir, bon, les 50 ans qui arrivent, quels sont les grands projets qui sont en cours et est-ce qu'il y a un projet qui vous tient vraiment à cœur? On ne va peut-être pas parler dans les 50 ans qui arrivent, mais déjà on est dans une évolution en termes de compétences d'agglomération qui, on voit bien, même au niveau national, renvoie moins sur les communes, plus au niveau de l'interco. Donc il y a aussi comment les communes se saisissent de cette opportunité. Après, les sujets qui tiennent à cœur, il y en a beaucoup. On a dans les compétences actuelles, notamment le développement économique. On voit que ce qui se fait au niveau de la zone de l'Alouette sur Liévin, ce qui se fait sur Avion au niveau de la ZD14, les nouvelles implantations répondent là aussi à des besoins pour notre population de trouver un emploi de proximité et surtout de répondre aux enjeux de l'économie de demain, parce que c'est aussi fondamental dans le fonctionnement de la collectivité. Donc ça, c'est vrai que c'est un enjeu du quotidien, mais je dirais déjà depuis quelques années, mais qui se renouvelle tout le temps parce que l'économie évolue, il faut trouver des réponses adaptées. On a un enjeu sur la santé, on est dans les derniers indicateurs de santé de notre territoire. Alors on a un bateau amiral avec l'hôpital de Lens dans lequel l'agglo joue aussi sa part par rapport à l'accessibilité, mais on est aussi sur un enjeu de santé du quotidien pour l'ensemble de nos populations. Donc comment ça se décline à ce niveau-là? Même si on n'est pas sur une compétence en tant que telle, sur une action directe de la communauté d'agglo, c'est un sujet qui a été pris là vraiment dans sa pleine mesure par les élus et qui apporte justement des réflexions pour essayer de trouver la solution avec l'État, qui est normalement cette compétence-là. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là qui font que l'agglo, c'est en perpétuel renouvellement, avancé. La logique de l'habitat, la logique quelque part aussi de... Les transports? Des transports avec le bus à niveau de service, la trame qui est en train de se réaliser avec la chaîne des parcs, quelle notion on donne au niveau de l'extérieur en parlant de qualité, d'attractivité. La chaîne des parcs est un élément. Tout ce qui se fait sur le canal souché avec les communes, à l'initiative des communes aussi au départ et sur l'agglo, que l'agglo a pu amplifier et compléter. Voilà, ça donne aussi notre vision de notre territoire sur l'image des 36 communes, voire même ça déborde un peu avec Hénin Carvin et la communauté d'agglo de Béthune-Brevet, parce qu'on est vraiment sur un territoire poreux à ce niveau-là, où ben voilà, on a des avantages partagés à mettre en avant, soit d'un côté, soit de l'autre du territoire. Alors, beaucoup de chantiers, beaucoup d'emplois quand même pour le territoire. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques qui peut y avoir, justement, sur les travaux du BHNS, qui ont un peu coûté aux commerçants, peut-être sur d'autres sujets Alors, c'est sûr que les travaux perturbent. Après, la difficulté dans l'évolution qu'on en a voulu au niveau du même moyen de transport, du mode de transport, c'était de donner aussi une solution de déplacement, une solution de mobilité. Alors, voilà aussi, rien n'a été parfait. On a voulu aussi raccourcir la durée des travaux, donc l'intensifier. Alors, toujours des points positifs, des points négatifs. On voit bien les difficultés qu'ont pu rencontrer certains commerçants. Après, derrière, la mobilité qui était attendue, parce que le syndicat mixte des transports, qui est vraiment en compétence sur cette notion de bus à haut niveau de service, bénéficie du versement transport. Donc c'est aussi une réponse aux entreprises. Donc voilà, un moment, il fallait passer par des phases un peu difficiles. Aujourd'hui, on arrive vraiment dans le bout du tunnel, de voir comment on a pu accompagner les commerçants, même si ce n'est pas forcément satisfaisant sur la totalité. Et aujourd'hui, surtout, la perspective d'avoir un réseau de transport qui soit déployé, qui soit vraiment à la hauteur de ce qu'on en a voulu au départ sur la mobilité des salariés. On traverse aussi là une demande qui est réelle. L'attractivité aussi de notre territoire pour pouvoir bouger d'un point à un autre et pouvoir donner aussi une autre forme de mobilité à notre secteur qui en souffrait parce qu'on n'avait pas justement ce réseau cadencé, ce réseau organisé. Il a fallu y passer, on l'a fait dans un délai très court. Maintenant, on est surtout dans l'appropriation et surtout le développement. Il faut que ça soit un réel succès en termes de fréquentation. Le tourisme également, c'est important pour le bassin minier. C'est une autre source de développement économique. Alors là aussi, le Louvre est un peu le point de départ, en tout cas la meilleure vitrine que l'on peut avoir.
Mais on a aussi une grosse période là, qui se termine le 11 novembre sur les commémorations du centenaire de la Première Guerre. Le tourisme industriel qui se développe un peu, le tourisme aussi art déco qu'on a pu voir avec les circuits de l'Office du Tourisme. Donc tout ça est en train de s'organiser. L'Office du Tourisme se professionnalise aussi. Les circuits ont été mis en place pour dire de pouvoir donner aussi une autre image de notre territoire. Alors une autre image pour que les touristes viennent visiter le Louvre, par exemple, consomme, dorme ici, mais aussi derrière que l'image du territoire pour les entreprises qui viendraient ainsi implanter change, donc aussi bien avec les travaux de la trame de la chaîne des parcs qu'avec ce qu'on peut avoir, et là on revient sur le Louvre, ou le patrimoine qu'on a, notamment le patrimoine remarquable qu'on peut avoir, soit dû à l'exploitation minière, soit dû à l'histoire, malheureusement, avec la guerre 14-18. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut aussi mettre en musique, mettre en valeur pour monter les spécificités de notre territoire et qu'on soit pas forcément vu comme le territoire qui est en fin de peloton sur les indicateurs de santé ou dans les indicateurs d'emploi, mais comme un territoire qui se prend en main pour essayer de rebondir, donc avec ses atouts. Alors, pour l'avenir, on parle de l'hôpital de Lens, on parle d'espace un peu sportif amélioré, on parle de la piscine peut-être, on parle de beaucoup de projets pour l'avenir. Est-ce que c'est la jeunesse de cette équipe un peu de la cale en fait, parce que beaucoup d'élus sont plutôt jeunes, c'est-à-dire qui fait qu'on transforme ce territoire d'une manière impressionnante depuis ces dernières années? On arrive aussi à un tournant par rapport à l'évolution de ce qu'on a voulu faire. Pendant les premières années de mandat, on a organisé notre stratégie et on l'a conclue au travers du projet de territoire. Alors ça peut paraître un grand concept, mais c'est comment on voit l'agglo dans les 10 ans à venir. Et donc on a déterminé des priorités, et ces priorités-là se transforment directement derrière en projet, en concrétisation de terrain. Et donc aujourd'hui, on en voit les premières réalisations, et on en verra encore les réalisations à venir, mais on a organisé l'activité de l'agglomération avec ses compétences habituelles, sur l'assainissement, l'eau, ce qu'on évoquait tout à l'heure, et sur les enjeux de territoire que l'on a souhaité porter avec un projet politique derrière, qui a été formalisé au mois de juin l'année dernière. Et donc on en voit aujourd'hui les premières concrétisations, des travaux certes, mais aussi derrière des avantages et des retombées avec par exemple les implantations d'entreprises. Le passeport également, des choses mises en place pour les jeunes. Du quotidien, c'est-à-dire comment on arrive à amener, alors on est sur les moins de 18 ans, la pratique de sportifs des moins de 18 ans, encadrée, donc aussi valoriser le travail des bénévoles dans les associations, et comment on amène dans les familles qui peut-être, pour lesquelles peut-être le prix de la licence était un frein à la pratique sportive, avec une contribution directe de la communauté d'agglo, un jeune de moins de 18 ans de l'agglo qui fréquente un sport, qui fréquente une association sportive de l'agglo bénéficie de ce coupon sport, donc 30 euros qui sont donnés pour pouvoir là aussi l'amener à une pratique sportive régulière. Donc on joue à la fois sur le rôle des associations dans le tissu urbain, mais aussi derrière sur la politique de prévention en matière de santé. Alors il y a le pôle métropolitain qui arrive, qui est déjà là. On parle de communauté urbaine, peut-être de métropole comme la Melle à Lille. Est-ce que c'est l'avenir de l'agglo? Ça, pour l'instant, c'est difficile de pouvoir se projeter dans ces projets-là. Quelque part, on a déjà une étape avec le pôle métropolitain qui permet de regrouper les trois agglos, donc avec Béthune-Bruay, Dunkerque et Lens-Liévin, sur des sujets comme il y a 50 ans, les communes se sont regroupées dans le district pour dire voilà, il y a des choses qu'on ne peut plus faire ensemble. Ben voilà, aujourd'hui, on a fait un constat sur certains sujets qui dépassent déjà le périmètre de notre collectivité, communauté d'agglomération, et donc de besoin, de la volonté, mais en même temps du besoin de travailler à une échelle un peu plus large. C'est la première étape avec le pôle métropolitain. Est-ce qu'il faut aller au-delà avec une procédure un peu plus intégrée, de dire qu'il faut que les trois communautés d'agglo fusionnent dans une communauté d'agglo, dans une communauté urbaine? C'est pas fusionner pour fusionner, c'est fusionner pour en faire quoi? Donc si ça apporte un avantage réel au territoire et que la taille critique de 600 000 habitants, on serait sur 600-650 000 habitants, là aujourd'hui on est à 250 000, peut donner une autre dimension à notre territoire et d'autres projets. Ben voilà, faut se poser la question. Fusionner pour dire on fusionne et on verra ce qu'on fait après, c'est pas l'intérêt. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas à l'agglo Lens-Liévin? Je suis à la mairie. Vous êtes à la mairie de Lens, et quand vous n'êtes pas à la mairie de Lens? Vous avez une passion, je crois, c'est le football. Oui. Alors, le RC Lens, bien sûr. Bien sûr, ouais. Alors, la Marais qui inaugurait la tribune debout il y a quelques temps, pourquoi? Pour quelles raisons? Et est-ce que c'est important d'être proche aussi des supporters lensois? C'est aussi des souvenirs d'enfance, parce que dans les premiers matchs à Bollard, c'était les secondes à l'époque. Donc les secondes, c'était debout, il fallait arriver de bonne heure pour être à peu près bien placé dans la tribune. Et puis c'était aussi un enjeu de sécurité pour les supporters, et puis un enjeu aussi pour l'ambiance à Bollard. Il y avait le crabe là, sur le retour de l'ambiance à Bollard qui avait été mis en place pour justement réclamer cette ambiance d'antan, mais voilà, la ferveur des supporters, qu'elle puisse s'exprimer de façon naturelle, mais aussi de façon sécurisée. Donc c'est quand moi je suis arrivé à la mairie, c'était un des premiers sujets sur lequel Gervais Martel m'a interpellé. Donc il y a eu des procédures, parce que derrière il faut une homologation du stade, voilà, il faut aussi pouvoir passer ces différentes étapes. Puis il y a eu surtout
une volonté qui, même si Gervais n'était plus directement aux commandes, a été prolongée par Joseph Ougourlian, le nouveau président du club, pour dire vraiment comment on apporte ce service, cette prestation, cette possibilité aux supporters qui font l'ambiance de Bollard, parce qu'il y a des années, l'ambiance était plus dans les tribunes que sur le terrain, et on est vraiment dans cette logique-là aussi de sécurisation des principes qui avaient été mis en place pour l'Euro pour pouvoir avoir homologué le terrain et le stade, n'étaient pas forcément adaptés à la pratique plus régulière qui est celle du Racing. Donc il y aura des dispositions particulières si demain on a un nouveau match international, voire avant qu'on rejoue les matchs européens. Sinon aujourd'hui, ça répond aussi à une demande des supporters, à la fois initiée par les Tigers et par le Crab il y a quelques années maintenant. Et donc on peut leur souhaiter quoi au RC Lens pour cette fin d'année ? D'aller en Ligue 1, je pense. J'allais dire d'aller en Ligue 1. Après, il ne faut pas porter la poisse dans ces domaines-là, donc on va toucher du bois, ce qu'il faut. Mais voilà, déjà de continuer sur leur lancée. On voit que la dynamique cette année semble bien partie. On est quasiment à un quart du championnat. Il faut garder ces résultats-là et je pense qu'en fin d'année, on pourra savourer, j'espère, les fruits de cette réussite. Alors, vous faites du sport aussi ? Vous êtes sur le trail ? Ouais, un petit peu. Le trail qui aura lieu également 1er décembre. Cette année, en fin décembre. C'est important aussi de faire participer les habitants à des événements comme cela pour faire visiter la commune, faire visiter les différents lieux par le sport. C'est une approche différente, à la fois de visiter, on a pu visiter cette salle-ci en faisant le trail, donc voilà, c'était pas le même contexte que dans les conseils communautaires, pour ceux qui connaissent dans le contexte des conseils communautaires, mais c'est surtout de dire, voilà, on parlait des indicateurs de santé, c'est voilà, des pratiques particulières du sport. Faut savoir que dans notre territoire, si on globalise, on est quasiment à un trail par mois, donc on a aussi cette particularité de pouvoir proposer des terrains spécifiques à des sports qui peuvent être un peu atypiques et à l'évolution de la pratique. Aujourd'hui, on n'est pas forcément dans des pratiques encadrées. Il y a aussi une demande de sport loisir, voilà, de pouvoir se courir, marcher ou aller se balader dans des manifestations comme le trail qui permet de découvrir d'autres sites. On était passé dans les jardins des grands bureaux, on était passé aussi à Bollard. Donc voilà, on est vraiment dans cette découverte différente et puis dans cette logique de dire fait parler de l'agglomération différemment, et quand on regarde les plus de 3000 participants sur le premier trail l'année dernière, c'est pas forcément du gens du territoire, mais c'est des gens qui ont découvert le territoire, qui ont peut-être envie d'y revenir, peut-être envie de partager leur expérience, et là on est vraiment dans l'enjeu de développement touristique, d'attractivité de notre territoire. Alors on va revenir sur les 50 ans de l'agglo. Il y avait un super concert qui était organisé fin septembre, qui a été annulé pour cause de météo, de mauvais temps. Est-ce qu'il est reporté ? Oui, alors il est reporté le 28 octobre. Alors là, on va prendre des précautions, donc ça sera au stade couvert à Liévin. Voilà, c'était dommage d'avoir mobilisé tous ces moyens-là pour le 28, pour le 23 septembre. C'est la prochaine date, le 23 septembre, et de ne pas pouvoir pour des raisons météo, alors qu'on est dans un site d'agglomération, parce qu'on parlait tout à l'heure du quotidien, le parc des Cities, c'est un site d'agglomération. Donc un parc gratuit, animalier, plus de 400 000 visiteurs à l'année, on voit que rien que sur ce parc, on a presque deux fois la population de l'agglo qui y va dans l'année. Donc il y a un centre d'intérêt, je ne suis pas sûr que tout le monde en allant au Parc des Cities sache que c'est un enjeu de l'agglomération. Donc c'était aussi ça, de faire découvrir nos services du quotidien, quelque part, à la population, et aussi de le mettre un peu en valeur de façon différente avec le concert, même si derrière le meeting aérien qui est sur l'aérodrome de Lens-Bénifontaine, qui est aussi un des outils de l'agglo, fera l'objet d'une manifestation particulière avec le retour du meeting l'année prochaine. Donc voilà, on est vraiment dans les enjeux où je ne suis pas sûr que quelque part dans le quotidien, la population sache que c'est l'agglo qui est derrière, alors que franchement, ils vont fréquenter naturellement et depuis X années le Parc des Cities. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner deux mots qui puissent qualifier l'agglo de l'Ancien Vin de demain ? Innovante et collaborative. Innovante et collaborative. Merci Sylvain pour cette interview. Merci, j'espère que vous avez compris un peu à quoi servait votre agglomération de l'Ancien Vin et je vous dis à bientôt dans On vous écoute.